ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bon, avant de parler de cette deuxième partie de leçon qui est le destin, je vais résumer, je vais parler brièvement de ce qu'on a fait la semaine dernière, parce que le cours il se suit, et on a dit qu'on a défini la croyance au destin. Qu'est-ce que ça veut dire croire au destin? Ça veut dire croire en quatre degrés, quatre choses. Croire en la connaissance d'Allah, qu'Allah il connaît toutes choses, qu'il connaît le déroulement des choses, et il connaît les choses en bon ou en mauvais. Il, subhanahu wa ta'ala, le deuxième degré, c'est l'écriture. Il a écrit toutes choses, mal ou bien. Il l'a écrit dans la table gardée avant de créer les cieux et la terre de 50 000 ans. Et de croire en le troisième degré, en la volonté d'Allah, qu'Allah il a voulu toute chose, que rien ne sort de la volonté d'Allah. Hein? Rien de ce que ne veut pas Allah ne se réalise, et tout ce que veut Allah a lieu. Rien ne sort. Les péchés, la désobéissance, etc., tout ça, Allah les a voulus. Obéissance ou désobéissance, Allah les a voulus. Rien ne sort de la volonté d'Allah, la volonté universelle. Et croire aussi, croire au destin, ça veut dire croire qu'Allah a tout créé. Tout mouvement, c'est Allah qui l'a créé. Hein? C'est Allah qui a créé toute chose. Allahu khaliq kulli shay. Et il a créé nos actes. Quand on l'obéit ou quand on le désobéit, c'est lui qui a créé nos actes. Actes d'obéissance ou actes de désobéissance. Il les a pas faits, il les a créés. Et nous, quand on désobéit, le péché, il est attribué à nous. Le péché, on ne l'attribue pas à Allah. C'est nous qui faisons la chose, c'est nous qui sommes l'auteur de la chose, mais c'est Allah qui a créé l'acte à nous. D'accord? C'est Allah qui a créé tout ça. Et ça, c'est les quatre degrés du destin. Croire au destin, ça veut dire croire en ces quatre choses. Donc, premièrement, la connaissance, deuxièmement, l'écriture, troisièmement, la volonté, qu'Allah, il a tout voulu, il a voulu tout ce qui se passe dans l'univers, Allah l'a voulu, et quatrième chose, c'est qu'Allah a créé. Et concernant l'écriture, Allah, il a créé, il a écrit toutes choses avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans, et sous cette écriture, il y a ce qu'on appelle les décrets. Il y a d'autres petites écritures. D'accord? Allah, il a tout écrit. Il a écrit ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection dans la table gardée. Et en même temps, il a demandé aux anges d'écrire et dans leur registre à eux. D'accord? Donc, il y a d'autres écritures. Il y a l'écriture générale. L'écriture générale, c'est ça ce qui se trouve dans la table gardée. Et il y a ce qu'on appelle le décret humain, c'est quand Allah a essuyé le dos d'Adam de sa main et il a sorti sa descendance et il a dit « ceux-là seront destinés au paradis ». Et il a essuyé, de même il a essuyé son dos et il a sorti une autre descendance et il a dit « ceux-là sont voués à l'enfer ». Donc ceux du paradis vont faire les actes des gens du paradis, ceux de l'enfer vont faire les actes des gens de l'enfer. Ça concernant le décret humain. Et c'est à ce moment-là que les gens se sont engagés. Allah leur a dit « Qui est votre Seigneur ?» Ils ont dit « C'est toi notre Seigneur ». La reconnaissance. Cet engagement, nous, on ne s'en rappelle pas. On ne se rappelle pas de cet engagement. On ne se rappelle pas l'avoir vécu. Mais on l'a vécu vraiment. Et on a signé cet engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on doit l'adorer lui, l'unique subhanahu wa ta'ala. Et qu'on reconnaît sa seigneurialité ou sa seigneurie. D'accord? Donc, et cet engagement, bien qu'on ne s'en rappelle pas, il se trouve dans notre cœur. Il se trouve.
Il se trouve en nous-mêmes. Quand le bébé il sort du ventre de sa mère et qu'il est éduqué par... il est né selon la fitra, selon l'islam. Il n'est pas dans... Ce n'est pas une situation neutre, ce n'est pas un verre ou un support qui est vide et qu'il reçoit n'importe quoi. Il est né vraiment musulman. Il est musulman. Ça veut dire que s'il subit une éducation musulmane, il va la suivre sans gêne, sans contrainte. Il va la suivre. Il est musulman. Donc, en nous-mêmes, on a cette fêta. D'accord ? On a cet islam originel. Même le mécréant, il a cet islam originel. Même le mécréant, il aime la bienfaisance. Il aime... il reconnaît qu'Allah il est au-dessus. Quand il lui dit « Ton Seigneur », il lève les yeux vers le ciel. Donc, il garde cet islam en lui-même. D'accord ? Et tout le monde aime le courage, il aime l'héroïsme, la bonne éducation, les bonnes valeurs, tout ça, ça fait partie de son islam originel, de la fitra. Donc on a gardé cet islam et c'est les traces de l'engagement originel. On s'est engagé quand Allah il a essuyé le dos de Adam comme il veut, subhanahu wa ta'ala, de sa main droite et nul ne ressemble à lui, il est l'audion, le clairvoyant. Comme il veut, subhanahu wa ta'ala, il a dit, voilà cette descendance est vouée, il va agir selon, il va faire les actes des musulmans, des gens du paradis, il va rentrer au paradis, et cela, la deuxième descendance, elle est vouée, destinée à l'enfer. D'accord ? Ça c'est le décret humain, si vous voulez, ou le décret général, at-taqdir al-aam. D'accord ? Donc il y a... Cette décision a eu lieu quand il a créé Adam. Le deuxième décret ou la deuxième écriture, il a eu lieu quand le bébé a 4 mois. Quand le fœtus ou dans le ventre de sa mère, il a 4 mois. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un ange et il écrit est-ce qu'il va vivre heureux ou malheureux, est-ce qu'il va être destiné au paradis ou à l'enfer, et quel est le terme de sa vie, etc., son âge, etc. Ça, c'est la deuxième écriture, d'accord ? La troisième écriture, c'est ce qu'on appelle le décret, après le décret, ça, c'est le décret relatif à l'âge, et après ce décret, il y a ce qu'on appelle le décret annuel qui se décide la nuit du Qadr, la nuit du destin, d'accord ? Au cours de cette nuit, il se décide la naissance de tel ou la mort de tel, telle personne va devenir riche, telle personne va devenir pauvre, jusqu'au point où a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on voit la personne tourner dans les marchés, et c'est sûr, Allah il a déjà décidé qu'il ne va pas atteindre la nuit du Qadr prochaine. D'accord ? D'après. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le décret annuel. Et un autre décret aussi, c'est le décret quotidien. D'accord ? Le décret quotidien. Le décret quotidien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, chaque jour, il s'affirme dans une intervention. Il intervient. Il élève certains, il rabaisse d'autres. Il enrichit certains, il appauvrit d'autres. C'est ce que décide Allah subhanahu wa ta'ala durant quotidiennement. Et tous ces décrets, ils se ramifient. Leur point de départ, c'est le décret, entre parenthèses, mère, d'accord ? Le livre mère, la table gardée, c'est la table gardée. Tout ça se ramifie du décret général, d'accord ? De ce qui est dans la table gardée. On a parlé de ça. On a dit autre chose. Si on croit en ces 4 degrés, est-ce que la personne a une volonté, a une capacité? Si Allah a tout écrit, il a tout décidé, il sait tout, il a tout écrit, il a tout voulu, il a tout créé, est-ce que ça nie que nous, on est dépouillés de toute volonté? Non, la personne, il a une volonté et ça, il le sent lui-même. Quand il fait un acte d'obéissance, personne ne le pousse. Il sent lui-même qu'il le fait de soi-même. Donc, il a une propre volonté. Et l'acte, il est attribué à lui-même. Les gens du paradis, Allah va leur dire, « Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. » Vous allez rentrer au paradis parce que, par les œuvres que vous aviez
fait. Donc les œuvres sont des causes pour entrer au paradis. Et les gens font les bons actes et les mauvais actes. D'accord ? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى اللَّهِ لَتْرِبُّ l'acte. Celui qui donne l'aumône et qui craint Allah. Donc la crainte, il vient de la personne. Allah lui attribue l'acte. Et cet acte, il est précédé par une intention, une volonté. Ça veut dire qu'il a une volonté, il a une puissance. Et la personne, il a une qudra. D'accord ? Il a une liberté d'agir. D'accord ? Il a une liberté d'agir. Il a une, on lui attribue l'acte. Est-ce que le fait de croire au qadr, est-ce qu'il contredit le fait de faire les causes ? Non. Parce que Allah a écrit dans la table gardée que telle personne va rentrer au paradis. D'accord, il va rentrer au paradis, mais il va faire ses œuvres-là. Il va jeûner, il va faire le djihad, il va propager, il donne beaucoup de bonnes. Ben, implication, il rentre au paradis. La personne, l'autre, il va rentrer en enfer. Ben, il a fait ça, il a contredit la voix d'Allah, il a combattu les musulmans, il a jeté la loi d'Allah derrière lui, il a fait les causes qui le mènent en enfer. D'accord. Ça, c'est brièvement ce qu'on a fait avant. D'accord. Et le fait de faire les causes, si vous lisez la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, quand il a voulu émigrer vers Médine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les causes. Il a fait les causes. Mais Médine, il se trouve au sud de la Mecque. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr, il a... La Médine, elle se trouve au nord de la Mecque. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de se diriger vers le nord, il s'est dirigé vers où? Vers le sud, pour tromper les mécréants. D'accord? Donc il a fait les causes. Il a utilisé des plans, des stratégies, etc. Il a tout tracé. Il a engagé le berger avec son troupeau de moutons pour qu'il efface les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pas de Abu Bakr. D'accord? Il a engagé Asma qui lui ramène la nourriture. Il a engagé Abdurrahman ibn Abu Bakr qui veulent le jour, il passe la journée au milieu des koufars pour écouter ce qu'ils disent et il ramène l'information le soir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tout fait. D'accord. La bataille de Uhud, il a mis l'armure. D'accord. Il a une épée pour combattre, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit, j'ai le yaqin, j'ai la conviction, Allah il va me donner les... Qu'est-ce qu'Allah il m'a écrit que je vais immigrer? Allah il m'a écrit que je vais immigrer. Donc, je vais rester chez moi et tout, et je ne sais pas ce qui va se passer. Allah il va envoyer un oiseau, je ne sais pas, il va me prendre, ou le Bouraq qui m'a emmené, qui a fait le voyage nocturne, il va me prendre, il va m'emmener à Médine, sans faire les causes. Il a fait les causes, sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a promis qu'il va lui donner la victoire, et il a fait les causes. Allah lui a promis le butin de Khaybar, avant qu'il ait le combat, avant qu'il y ait la bataille de Khaybar. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِي. Allah vous a promis beaucoup de butins, et vous a hâté celle-ci dans surat al-Ahzab. Il a dit, dans surat al-Ahzab ou dans surat al-Fath, il vous a hâté celle-ci, ça veut dire Khaybar. Khaybar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sûr qu'il va rentrer à Khaybar et qu'il va prendre le butin de Khaybar. Il est allé sans armes, il a pris les armes, il a préparé l'armée, il a désigné les chefs, les émirs, etc. N'est-ce pas? Pourtant Allah lui a promis ça. Omar al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tu feras partie des gens du paradis. Tu rentreras au paradis. Il a dit, je dors chez moi, ça y est, khlas. Allah, il a déclaré que je vais rentrer au paradis. Mais le prophète lui a dit ça parce qu'Allah, il connaît la crainte de Omar al-Khattab et qu'il va faire les causes jusqu'à sa mort et qu'il est toujours entre la crainte et l'espoir. Toujours cette crainte, il le pousse à éviter les péchés et à chercher la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faire les causes rentre dans le destin et la prédestinée. Donc brièvement, on a parlé de ça. D'accord. Là, on va rentrer dans ceux qui ont dévié de cette voie droite, de Sirat Allah al-Mustaqim, la voie qu'Allah a tracée, que le prophète sallam a tracée sur terre, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée pour ses serviteurs. Certains, je vais parler, maintenant, j'ai parlé de la voie droite, je vais parler d'une extrême, et je vais parler de l'opposé de cet extrême, les sectes qui ont dévié. Premièrement, je vais parler de ceux qui prennent
comme prétexte le destin pour se dispenser des obligations ou pour commettre des péchés. D'accord ? Ce genre de déviation, il est répandu dans notre communauté. D'accord ? Pourquoi tu commets tel péché ? Ben parce qu'Allah, il a voulu que je commette. Pourquoi tu bois le vin ? Allah, il a voulu. Quand Allah, il veut pas, je vais pas boire, je vais m'arrêter de boire. Pourquoi tu ne pries pas ? Ben parce qu'Allah, il a voulu que je ne prie pas, etc. Ce genre d'ambiguïté. D'accord ? Certaines prennent comme prétexte le destin. Puisqu'Allah, il a tout écrit. Allah, il sait tout. Il a tout écrit. Et il l'a voulu. Il a créé mes actes. Donc si moi, je commets un péché, Allah, il a voulu avant. D'accord. Et ce genre de déviation, comme j'ai dit, il est très répandu. Et les associateurs l'ont pris comme prétexte. Mushrikin, les associateurs à l'époque du prophète, et même leurs prédécesseurs, ils ont pris le qadr comme prétexte pour désobéir à Allah et pour contredire la risala, le message du prophète. De même, le premier qui a utilisé le destin pour justifier son acte, c'est qui ? C'est Iblis, c'est Satan. D'accord. Et les sectes égarées, ils s'inspirent des arguments des associateurs et de Satan. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les associateurs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Sayaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wa la aba'una wa la harramna min shay'. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. Allah il dit dans sourate Al-An'am, ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. C'est Allah qui a voulu qu'on lui associe. Il a permis ça. La preuve, si nous, on est en train d'associer. Ça prouve qu'Allah, il a voulu qu'on le fasse. D'accord ? C'est les arguments des mushrikin, des associateurs. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nahl, wa qala alladhina ashraku law sha'a Allahu ma 'abadna min dunihi min shay'in nahnu wa la aba'una wa la harramna min dunihi min shay'. Kadhalika فعل الذين من قبلهم. Et les associateurs dirent, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous, ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même, ainsi agissaient les gens avant eux. Dans sourate Nahl, sourate 16, le verset 35. Donc ils ont utilisé cet argument pour s'opposer à quoi ? Pour refuser quoi ? Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Mohammed, tu nous demandes de suivre ta voie. Si Allah l'avait voulu, puisque nous sommes en train d'associer, Allah l'avait voulu avant, il l'a permis. Si Allah l'avait voulu, il aurait épargné qu'on fasse ça, qu'on associe. Ils ont utilisé le destin pour s'opposer à quoi ? Au message. D'accord ? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Yasin, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah il dit dans sourate Yasin, et quand on leur dit, dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, nourririons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri, ou bien nourrions-nous quelqu'un qu'Allah avait nourri s'il l'avait voulu. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand on leur dit dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ils disent est-ce qu'on va nourrir quelqu'un que si Allah l'avait voulu, il l'aurait nourri. Nourririons-nous quelqu'un qu'Allah avait nourri, aurait nourri s'il avait voulu. Vous n'êtes que dans un égarement évident.
surat Yassin, ou le verset 47. Donc ils ont utilisé cet argument, ils ont dit, c'est Allah qui a voulu qu'il soit pauvre. Donc à quoi ça sert? Nous, on va nourrir quelqu'un qu'Allah avait voulu qu'il soit pauvre. Ils ont utilisé ce destin pour s'opposer, là, pour s'opposer non pas au message, mais pour refuser de bien faire, pour refuser de nourrir les pauvres. Quand on leur dit, il faut aider ce pauvre, il a besoin, c'est Allah qui a voulu qu'il soit pauvre. C'est Allah qui a voulu. À quoi ça sert que je le nourris, moi? C'est Allah qui a décidé, c'est Allah qui a, et tout écrit. Donc ça, c'est l'argument des associateurs. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure que c'est Satan qui a utilisé, le premier à utiliser le destin comme argument. Satan. Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il lui a demandé de se prosterner à Adam, il a refusé. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit. Il a dit, wa inna alayka la'nata ila yawmiddin. Et la malédiction sur toi, jusqu'au jour de la rétribution. Et après, qu'est-ce qu'il a dit, Satan, la'na Allah? Il a dit, Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur en livrerai la vie sur terre et les égarerai. Qala Rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. C'est parce que tu m'as induit en erreur que je vais les égarer tous, je vais leur enjoliver ce qu'il y a ici-bas et je vais les emmener en enfer. Donc il a dit, parce que tu m'as bima aghwaytani, mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur. Il a attribué ça à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ce que font certains. Il tombe dans des péchés, il dit, oh Allah, c'est toi qui a fait que je fasse ces erreurs-là, que je commette ces péchés-là. Iblis, il a pris cet argument. La personne qui prétend ce genre de choses, c'est qu'il s'inspire de Satan. C'est ce qu'on appelle Qadariya al-Iblisiya. La Qadariya al-Iblisiya, la secte qui a pris comme argument les arguments, comme prétexte les arguments de Iblis, on l'appelle Al-Qadariya al-Iblisiya, la Qadariya satanique. Et ceux qui prennent les arguments des associateurs, on les appelle Qadariya al-Mushrikiya, les Qadarites associateurs. Et les sectes égarées, telles que les soufis, et quelques Asha'ira, quelques Murji'a, et le Jahmiya, et le Maturidiya, ils sont inspirés de ces Qadariya-là. Les sectes qui sont inspirées de ce genre d'arguments, spécialement les soufis, en général les Asha'ira, les Jahmites, ils disent souvent, je voudrais ne vouloir que ce qu'Allah veut. Il dit, moi je ne voudrais ne vouloir que ce qu'Allah veut. Allah, il a voulu les turpitudes, il a écrit ça, il a voulu les péchés. Ah, moi aussi j'accepte, je me soumets, je me résigne à la volonté d'Allah. D'accord? Ils disent, moi je ne voudrais ne vouloir que ce qu'Allah veut. Et c'est pour ça quand les croisés, les Mongols sont rentrés dans les pays musulmans, il y a même une histoire que l'un des rois mongols, l'un des caïds mongols, il est rentré à Bagdad, et l'un des soufis, il est allé prendre le cheval de ce chef mongol, et il l'a fait rentrer dans la ville. Les gens sont étonnés, ils voient un barbu comme ça, un cheikh avec son turban, dans trois tours, ou je sais pas, tirer le cheval de cet ennemi d'Allah. Et quand ils lui ont reproché pourquoi il a fait ça, il a dit, c'est la volonté d'Allah, moi je me soumets à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a voulu que les Mongols et les croisés rentrent chez nous, hein, prennent nos biens, c'est Allah qui l'a écrit, c'est Allah qui l'a voulu, nous on doit se résigner, se soumettre à sa volonté. Vous avez remarqué ce genre de déviation dans la croyance du destin, où est-ce qu'elle mène? D'accord? Donc là on va détailler, on va parler de la cause de cet égarement, la cause de l'égarement de ces sectes là, d'accord?
le fait de dire qu'on ne se soumet qu'à la volonté universelle d'Allah et qu'Allah il a voulu que les mécréants soient mécréants, donc nous on ne doit pas faire les causes. Si Allah a voulu que l'ennemi rentre chez nous, si l'ennemi il est rentré chez nous, on dit Allah il l'a voulu, il est sorti, c'est Allah qui l'a fait sortir sans qu'on fasse les causes et tout, on se résigne et on se soumet à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'origine de cette déviation, c'est la confusion entre ce qu'on appelle la volonté ontologique, kaunia, et la volonté législatrice ou la volonté religieuse. Ils ont mélangé entre l'irada shar'iyya et l'irada kaunia. Et on va détailler, on va expliquer, on va éclaircir ce point, inshallah. Je vais commencer par un exemple. Quelqu'un qui a bu le vin, il a pris un verre de vin et il l'a bu. Est-ce qu'on va dire Allah l'a voulu ou il ne l'a pas voulu? Vous pouvez répondre. Il ne l'a pas voulu. D'accord. Allah l'a voulu. Il l'a voulu, mais il ne l'a pas voulu. D'accord. Il l'a voulu, il ne l'a pas voulu. Si on répond, Allah le sait. Ouais. Il l'a écrit. Ouais. Ça empêche qu'il le veut. Il l'a voulu. Rien ne sort de la volonté d'Allah. Il l'a voulu. Si vous dites que qu'Allah a voulu que cette personne boive le vin, on va répondre que c'est faux. Si tu réponds, tu dis que Allah n'a pas voulu que cette personne boive le vin, on va dire que c'est faux. D'accord? Il faut quoi? Il faut détailler. Il faut détailler. Allah, est-ce qu'il l'a voulu par sa volonté universelle que rien ne sort de la volonté d'Allah? Il l'a écrit, Allah, il le sait, il sait qu'il va boire le vin. Il l'a écrit. Il l'a voulu par sa volonté ontologique, la volonté que rien ne sort de la volonté d'Allah. Oui, il l'a voulu. D'accord, il l'a voulu. Est-ce qu'il l'a voulu religieusement? Est-ce qu'il l'a aimé? Ah, il ne l'a pas voulu religieusement, mais il l'a voulu de sa volonté ontologique, universelle. Sha'ahu wa lam yuridhu shar'an. Aradahu kaunan, il l'a voulu par sa volonté ontologique, parce que rien ne sort de la volonté d'Allah, mais il ne l'a pas aimé. D'accord? Il ne l'a pas voulu par sa volonté législatrice, par sa volonté religieuse. Donc on distingue deux volontés. Les gens de la sunna ou la jama'a, ils font la distinction entre deux volontés. La volonté ontologique, rien ne sort de cette volonté. Comme rien ne sort de la connaissance d'Allah. Comme rien ne sort de l'écriture d'Allah. Comme rien ne sort de... Comme tout était créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils font la distinction entre la volonté ontologique et la volonté législatrice ou religieuse. Je donne des exemples. Des exemples de la volonté ontologique, issue du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle le Mashi'a, on l'appelle en langue arabe al-Mashi'a ou al-Irad al-Kawniya. Allah il dit subhanahu wa ta'ala, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ce vœu-là, vœu, vouloir, c'est une volonté ontologique ou religieuse? Ontologique. Il aime, Allah aime infliger à un peuple un mal, il ne l'aime pas. Il le veut par sa volonté ontologique, universelle qu'on y a, mais il ne l'aime pas. D'accord? Donc ça, c'est ce vouloir, ça, vœu, c'est la volonté ontologique. إرادة كونية. الله يدي فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا كأن ضيقا كأنما يصعد في السماء. dans سورة الأنعام. Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Je ne parle pas de cette phrase. Et quiconque il veut t'égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Sourate 6, le verset 125. Je parle de la deuxième partie de ce verset. Et quiconque il veut t'égarer,
il, entre parenthèses, Allah, et qui, quand il veut t'égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Cette volonté, il est quoi? Elle est universelle ou il est religieuse? Et quiconque il veut t'égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Ah, Allah aime l'égaré, il l'aime, ça l'agrée, il est satisfait quand son serviteur s'égare. D'accord. Donc il le veut d'une volonté ontologique, kaunia, mais il ne l'aime pas. Il ne le veut pas de sa volonté religieuse. Aradahu kaunan wa lam yuridhu shar'an. Allah subhanahu wa ta'ala dit innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Quand nous voulons une chose, notre seule parole est soit et elle est. Dans sourate 16, le verset 40. Quand nous voulons une chose, cette volonté, il est religieuse ou il est universel. Quand nous voulons une chose, bonne ou mauvaise, hein? Universel. D'accord? Universel. Maintenant, parlons de la volonté religieuse. De la volonté religieuse. La volonté religieuse, c'est celle qui comprend son amour. Mahabba. Quand on dit sara, muradif lil mahabba. La législation, elle est compatible avec l'amour. Tout ce qu'Allah légifère, c'est parce qu'il veut ses serviteurs suivre ce qu'il aime et s'écarte de ce qu'il déteste. Donc, la volonté religieuse, c'est celle qui comprend son amour, son agrément et porte sur ce qu'il a ordonné religieusement. C'est pour cela qu'il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des prophètes pourquoi? Il a envoyé des prophètes pour dire aux gens, voilà ce qu'Allah aime et voilà ce qu'Allah déteste. Voilà ce qui agrée à Allah et voilà ce qu'Allah déteste, ce qui lui répugne. D'accord? Il a envoyé des prophètes pour montrer aux gens, voilà la voie du paradis, ce qu'Allah aime. Il aime qu'on célèbre le tawhid, qu'on l'adore lui l'unique, qu'on le connaisse. Il aime qu'on se prosterne devant lui, subhanahu wa ta'ala. Il aime qu'on lui sa législation et l'objectif, le résultat, c'est le paradis. D'accord? Donc les prophètes, ils montrent aux gens, sont des annonciateurs et des avertisseurs. Ils montrent aux gens, ils leur annoncent la bonne nouvelle du paradis, la voie qui mène au paradis et la voie qui mène à l'enfer. D'accord? Il a envoyé des prophètes pour montrer aux gens la volonté religieuse. Ce qu'aime Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ce qu'aime Allah, il se trouve dans la table gardée, il se trouve dans quoi encore? Dans le Coran. D'accord, il est devant nous, il est beau, il est devant nous. D'accord, ce qu'aime Allah, il est là. Il est à la portée de tout le monde. D'accord, il a envoyé des prophètes, il leur a fait révéler les livres saints pour montrer aux gens ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. D'accord, il ordonne à ses serviteurs de lui obéir et d'obéir à ses envoyés. Il leur interdit de lui désobéir. Il aime les gens pieux, il aime les gens juste et ceux qui croient et font les bonnes œuvres. Il les aime, Allah. Il aime. D'accord? Il n'aime pas les infidèles. Il n'aime pas le désordre. Il n'aime pas la turpitude. D'accord? Donc, il a montré dans le Coran, dans les autres livres saints, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Il n'agrée pas l'infidélité. Il n'aime pas que ses serviteurs, ses esclaves soient mécréants. D'accord? Donc cet amour égale volonté religieuse ou volonté législatrice. Allah, il dit, subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. C'est quelle volonté religieuse, législatrice? Remplacez « veut » par « aimer hein? ». Allah veut pour vous la facilité. Allah aime pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Il n'aime pas la difficulté pour vous. Donc c'est volonté législatrice. « Irada sar'iyya » Sourate 2, sourate al-Baqara et le verset 185. « Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum » Allah veut vous alléger.
les obligations. C'est quelle volonté ça? Volonté religieuse. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous et aussi accueillir votre repentir. C'est quelle volonté? Religieuse, sharia, législatrice. Allah aime vous montrer les voies des hommes d'avant vous, ça, les prophètes, etc. Allah aime vous accueillir, repentir. Allah aime vous éclairer. D'accord? Donc il faut faire la différence entre la volonté ontologique, rien ne sort de cette volonté, et la volonté religieuse qui est égale à l'amour. D'accord? Ma yurid Allah liyaj'al 'alaykum min haraj, walakin yurid liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous ses bienfaits. Dans la sourate 5 et le verset 6. Allah ne veut pas pour vous ou ne veut pas vous imposer quelque gêne. C'est quelle volonté? Religieuse. Allah n'aime pas vous imposer quelque gêne. Mais il veut vous purifier. Quelle volonté? Religieuse, législatrice. Et parfaire sur vous ses bienfaits. Quelle volonté? Religieuse. Il l'a montré, c'est clair. Allah il dit dans un verset, « Oulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. » Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. Quelle volonté a dit Allah? Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. N'a point voulu, c'est une négation. Allah n'aime pas purifier les cœurs. Kaunia, c'est ontologique. D'accord? Donc il faut faire la différence entre la volonté ontologique, issue du décret d'Allah, issue de la connaissance d'Allah, et la volonté religieuse. D'accord. Maintenant, pour éclaircir davantage la chose, on va parler des différences entre ces deux volontés. L'irada al-kawniya ou l'irada al-shar'iya. Dans la volonté religieuse, il y a ce qu'Allah aime et agrée. D'accord. Et dans la volonté ontologique, il y a ce qu'Allah n'aime pas. Il y a ce qu'Allah aime et il y a ce qu'Allah n'aime pas. Toutes choses. Et l'englobe. D'accord. Parce que tout ce qui est écrit, Allah l'a voulu. D'accord? Donc la volonté ontologique, c'est ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce qu'Allah veut a lieu et ce qu'Allah ne veut pas, il ne se réalisera jamais. Rien ne sort de là. La volonté ontologique est toujours, la deuxième différence, la volonté ontologique est toujours exécutée. Ce qu'Allah veut, ce qu'Allah a su, il a écrit, il a décidé, il a voulu, il le crée. D'accord? Il a voulu la mort de telle personne, il a voulu que telle personne soit mécréante, telle personne soit musulmane. Las, la chose, elle se réalise. D'accord? Elle est exécutée. Tout ce qu'Allah veut est, et rien de ce qu'il ne veut pas ne se réalise. Donc la volonté ontologique kawniya, qui est issu du décret d'Allah, elle se réalise obligatoirement. La volonté religieuse, elle se réalise. Allah veut que tout le monde soit musulman. Tout le monde est musulman? Non. Donc la volonté religieuse, elle ne se réalise pas obligatoirement. D'accord? L'une des différences. Allah aime que tout le monde l'obéisse. Mais la majorité désobéissent. Allah veut que tout le monde, par sa volonté religieuse, aime que tout le monde soit reconnaissant. Mais la majorité des gens ne sont pas reconnaissants. D'accord. La volonté, donc, l'une des différences, la volonté ontologique se rattache à quoi? À la seigneurialité ou à la seigneurie. Ar-Rububiyyah. Allah, il est le créateur. Il a créé les actes d'obéissance et de désobéissance. Il a tout voulu, subhanahu wa ta'ala. Il a tout voulu, donc il est le Seigneur. Ah, il se rattache à Rububiyyah, la seigneurialité. Il est Qadir, il peut tout faire, subhanahu wa ta'ala. Il veut tout ce qu'il veut, il se réalise.
c'est le Seigneur. Il est. Et la volonté religieuse, elle se rattache à quoi? Al-Uluhiyya, l'adoration. Il est le Seigneur, tout ce que veut Allah est, rien de ce que ne veut pas Allah ne se réalise. Et dans la volonté religieuse, Allah, il aime qu'on l'obéisse, donc à moi de l'adorer, à moi de l'obéir, à moi de l'aimer, à moi de le craindre. Dans la volonté religieuse, il se rattache à Al-Uluhiyya, à l'adoration. D'accord? Et la base de Tawhid, c'est l'Uluhiyya, c'est l'adoration. Tu dois commencer par toi-même. À toi de l'adorer. D'accord? Et non pas chercher un prétexte derrière le péché qu'on fait. On doit chercher parce qu'Allah, il veut, par sa volonté ontologique, mais on doit chercher ce qu'il aime, ce qu'il agrée. Et ça, on le trouve dans le Coran et dans la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des hadiths authentiques qui sont regroupés dans le Sahih, etc. Les deux volontés se réunissent chez qui? Voilà. Quelqu'un, un musulman, il a voulu accomplir la prière, il s'est levé et il a accompli cette prière. Quand il a terminé cette prière, on a dit, qu'est-ce qu'on déduit de ça? C'est qu'Allah l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu, il l'a réalisé, il l'a créé. D'accord? Donc il l'a voulu de sa volonté ontologique. Ah, cette personne, il a prié. Voilà. Donc Allah a déjà su ça, il l'a écrit et il l'a voulu, parce que rien de tout ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala se réalise, et il a créé l'acte de la personne. Donc il l'a voulu par sa volonté ontologique. Il l'a aimé. Il l'a voulu par sa volonté religieuse. Les deux volontés se réunissent chez l'obéissant. C'est le musulman. C'est celui qui fait un acte d'obéissance. Ah, classe. Abu Lahab. Et mécréant. Il est mort, kafir. On a la conviction qu'il est mécréant, on a la conviction qu'il est en enfer. Lui et sa femme. D'accord. Allah a voulu qu'il soit mécréant. Hein? Par quelle volonté? Kaouniya. D'accord. Il l'a voulu qu'il soit mécréant par sa volonté ontologique. Il l'a aimé, il l'a voulu par sa volonté religieuse, il ne l'a pas voulu. D'accord? Chez l'obéissant, les deux volontés se réunissent. Chez le désobéissant ou le mécréant, il n'y a que la volonté kaouniya, ontologique. D'accord? La mécréance de Iblis, la mécréance de Pharaon, Allah l'a voulu de sa volonté ontologique parce que rien ne sort de sa volonté, mais il ne l'a pas voulu par sa volonté religieuse. C'est pour ça qu'il lui a envoyé Pharaon, Allah lui a envoyé Moussa pour lui montrer ce qui est agréé à Allah. D'accord? Il lui dit, il faut se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'une des différences. Autre différence, mais cette différence, ça va être une réponse à la question suivante. Comment Allah veut des choses et en même temps il ne les aime pas? Allah veut que Pharaon soit mécréant, mais en même temps il ne l'aime pas. Comment ça? Il y a deux choses. Il y a la chose qui est aimée en elle-même. Tu vois? Vous voyez? Il y a la chose qui est aimée en elle-même. Allah l'islam, qu'on se soumette à lui. D'accord? Les gens aussi, il y a des choses qu'ils aiment. Il y a des choses qui sont aimées par leur essence. D'accord? Ils sont aimés par leur essence, par elles-mêmes. D'accord? Et il y a des choses qui sont aimées par l'objectif ou elles-mêmes. Ou elles-mêmes. Il y a des choses qui sont aimées en elles-mêmes, par exemple la justice, l'obéissance, la fraternité, c'est des choses qu'on aime en elles-mêmes, d'accord? Et il y a des choses qui sont aimées par l'objectif ou elles-mêmes, d'accord? Je vais vous donner un exemple pour éclaircir.